C'est pour ça que nous voulons que les sportifs qui viennent dans les manifestations sportives. Le ministre, depuis Aya, et le Komoko, c'est le ministre, wana akende. Akende tolingi yete, tolingi yete. Akende, akende, akende. Eloko tosengi. Tozako reproche ya zo salabiso eloko moko te. Mbongo nyoso ya stadi kaka ye. Makamu nyoso ya zalalokuwa nengo basako kenele na ba mission. Na ba nini kaka ye, na ba ndeko na ye, na famina ye. Tolingi lisusu te, akende, akende, akende. Yangwa na zako senga. Epa ya president na biso, papa Fachi Beton. Alongwe la biso ministre oyu. Kabulu mwana kabulu. Akende, tolingi yete. Arrivé na ye, administration est koufi. A même mis attribution ne sont zagi nango awa akena ngona seke na mini na cabinet na ekuna. Pe na cabinet ton si famille, bambongo ba publicité ba Vodacom ba futa $70,000. Mbongo no soya zozwa. Biso secrétaire to zozwa ta enfranté. Yango to lingé sous te mongo yo, beto zo ba boto pesa mongo interpellation na IGF. Aya asala makambu ya inspection, alande la bambongo yo bra kongo zo futa na stade, o alande la mbongo Vodacom zo futa zo kende wapi. Collaborer na biso bato ya sport mais tout monde il est contraire ko banda kaka j'ai à francophonie ti le lo ak ko chinois ngo na Cannes na Côte d'Ivoire et surtout sur les plans administratifs. Pour lui l'administration n'existe pas, tout ce qui est comme prérogative ya direction ya biso ya sport nyo ce qui est kuna sous gestionnaire à crédit azali kuna. Papa, nous souffrons. Or, Ezali Douana Bisso, l'État nous reconnaît, nous, comme des agents des sports et loisirs. C'est nous. En tout cas, tu as Senga, la chef de l'État, Atala Makamboyo. Yen, ça ne va pas au sport. Nous avons reçu un ministre qui, je vous dis sincèrement, depuis qu'il est là, il n'a jamais fait un tour pour connaître ses administrés. Il ne connaît même pas. Moi, je vous parle, je suis un chef de division. Je ne sais même pas s'il connaît la direction d'inspection, ça existe où. Il ne connaît pas. Je ne sais pas. C'est ça les questions qu'on est en train de se poser. Alors c'est comme ça que je me dis, si le président, vraiment Yokimbera Nabiso, a Megakotala, ministère des Sports est un ministère qui a négligé. Ministère des Sports est un ministère qui a mounéné. Ministère des Sports est un ministère qui a régénéré ma recette belée. Dans le secteur à loisirs, nous avons beaucoup. Dans le secteur sport, nous avons beaucoup de belés. Ça peut même bafouer. Moi, je peux renflouer qu'est-ce qu'il y a l'État. Et c'est comme ça que nous disons non et non. Raison à les ajouter. Merci beaucoup. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique handball version féminine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est en présence du gouvernement via les ministres des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mouana-Kaboulou, que la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont officiellement signé. C'est lundi 4 mars 2024, le protocole d'accord. Les représentants du gouvernement congolais s'est exprimé après avoir reçu la plaquette de l'instance fêtière du handball africain. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kombi-Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais et à notre fédération qui va abriter pour la première fois une phase finale de la CAN. La 26e édition, ça sera des dames. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine à accompagner la RDC en vue de la réussite de ce pari. Rendons grâce au Tout-Puissant parce que ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Par la même occasion, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mouana-Kaboulou, a rassuré tous les pays africains sur la détermination de son gouvernement à tout mettre en musique pour faire de cette CAN une véritable fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre
pour participer à cette fête. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues. Ça sera la même chose. De Saint-Pierre-Roberta contre le Popo. C'est-à-dire, c'est un grand club. Donc, absence naïe, vraiment la raison pour laquelle la zone. Question, c'est vrai que vous l'avez posé, mais en tout cas, tout le monde attend, moi, en tout cas, constater toujours que l'absence de DSMP dans 4 play-off est tellement remarquable. Ndeko John, tout le monde, là, il faut qu'on reconnaisse Trango. DSMP, on a 88 ans d'existence. Quelle serait la solution pour la calme? Vous venez de le dire tantôt, de CMP, bah problème, bah présent, bah si ça a un mandat. On a vu ça récemment avec Vijay Timanga, ou si ça qui mandat a été. Quelle serait la solution en tout cas pour que PR régne définitivement dans le cas de Yadarin Kamote Mapembe? Vous, en tant qu'analyste. Bon, la première des choses, Obi Ilou Kouzali Kouboma, c'est vrai, il y a des CMP. C'est quelque chose, donc ça dit ça saute aux yeux. Mais Makamwana et Bimakape et Zalipe n'a qu'à pas club Moussousou. Mais n'a pas club Moussousou, ils allient vraiment au monde en Abouiti. Alors, pour mettre fin, ça c'est d'une manière générale, pour mettre fin à Ezala côté à DSMP, Ezala côté avec le Ezala côté Péa le Popo, ils allient que bah, supporter y a bah, équipe Wana. Va se prendre en charge. Ce qui continue kaka, na président aye il faut bien s'embourg. Président aye il faut bien s'embourg. Et tant que Péa Kouya, Oya Kouzala d'accord, par exemple, la Mimi Simbongo, mais il fallait qu'il a besoin de Péa Namo, à Kabelaye, le Kola Kabelaye, ça crée des problèmes. Donc, ce qui continue Bongo, c'est-à-dire, là, les problèmes vont persister et te risquer peut-être donc une disparition de la pure ressource. Ok. Dans DSMP, Bazali obligé, pour mandat, pour en remettre fin, Bazali obligé. Patricia, DSMP, ce qui obéit ses calculs, ce n'est pas moins de 100 000 supporters. Ce n'est pas moins de 100 000 supporters. Effectivement. Si par exemple, chaque supporter a bimisi ne fisqué $1. Je dis $1. $1 au bizarre pour ça quand mon moba supporter a descendu par Milara bien là-bas. Donc comme on appelle un supporter descendu à vendre à Mili bien, la journée mon moba peut-être à taille il y a $20. À comme la bière à taille il y a $50 là-bas ni na et tout ça. Mais ceux qui par exemple supporter mon moba descendu où il y a avec l'homme où il y a le popo. Mais dans la cotisation, il y a $1 par mois, c'est-à-dire chaque mois, DSMP a au moins $100 000 où il y a permettre pour le fonctionnement. DSMP a besoin du président Ayati. Président Ayati, bon, c'est vrai, un club doit avoir, comme le règlement l'exige, un club doit avoir un comité qui le dirige, mais en termes, il y a dépenses. On a vu, pour une certaine période, Renaissance du Congo, à Sada Kiango, si c'est mon tabambo, on a ton nom, mais apparemment, ça n'a aucune solution. Ton nom de Renaissance, ça va être comme ça. Ils allaient qui ont toujours le bilaté. Ils allaient cotisation à ma membre. Bah, ton nom, c'est juste démonstration. Là, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons ici. Pour que chaque mois, on paie sa cotisation à taille à $1.
bah membre d'honneur oyo tout bon bah ça dit bah catégoriser quand même bah membre selon cotisation na bango mais mutu ya souka azana 1 dollar peut-être si souki ze belé ils a 5 dollars vous verrez que président oyo akuya ko diriger des SMP akobanda kubanga puisque akomona ki ba mona ba supporter ba kozana na tina na ngate puisque mbongo o nazali ko salela eza mbongo ya ko so ya o eza mbongo e uti fa na bango oui biso ki par exemple des SMP aujourd'hui chaque mois à cause de tête net na 100000 dollars issu ya cotisation ya ba membre na yi ba ko yiko somba ba joueur oyo ça dit na choix na bango peut-être ya 30000 peut-être 25000 si bako ke sali bako sumba ba jouer ya malam je le dis que ce n'est pas c'est vrai puisque la question est posé au lobby bien isaka pour na DCMP mais moi je parle d'une manière générale ça dit ba club mususu nyoso na bako so to prise en charge biloko ya keno président yé a sali bo ya za na mbongo te ko sala bo eko si là et sur le plan administratif par exemple puisque c'est là où nos clubs aussi pêchent. Oui, sur le on, on va arriver en tout cas. Toi, comment on a allez. Ndeko Johnny, Otoloba, Makamno, Sotukoloba, on a. Mais on a remarqué que Derek Lemoté Mapembe, depuis un certain temps, depuis bien évidemment arrivé à.
filmer. Né à Kinshasa le 23 mai 2002, Yves Moutou a commencé la natation à l'âge de 8 ans. Moi particulièrement, j'ai commencé la natation en 2010 et j'avais 8 ans et j'ai commencé la natation à la Maison de France. Vu que mon initiateur, mon pied et mon père étaient les directeurs techniques de la natation. Et je lui ai accompagné à l'entraînement et je suivais comment s'est déroulé l'entraînement. Et voilà, j'ai pris envie de me lancer et de nager comme amateur. Âgé de 21 ans, le capitaine du club Atlantide a un avenir meilleur. Sa dernière participation au championnat du monde de la spécialité Qatar 2024 en témoigne. On dit qu'un travail comme des forgerons, du coup, ça nous a pris le temps. De 2010 à 2024, c'est 14 ans. On était à Doha au Qatar. On a eu à participer, on a fait des bons résultats. Et on a aussi appris. Et voilà, c'est pour cela qu'on faut rentrer au pays pour bien se préparer et pour chercher encore plus de jouer à la natation. Encadré par Madame Nadège Lebaboum, la plaque tournante de la Ligue de natation de Kinshasa, le fils de Ibrahim Moutou est spécialiste en brasse. Ce dernier n'est pas à sa première participation aux Jeux africains. En 2019, c'était ma toute première participation aux compétitions internationales, ce qui c'était les Jeux africains, une très grande compétition au Rabat. Et j'avais compétit, c'était ma première compétition, c'était pour accueillir l'expérience. Maintenant, on a une petite expérience là, on va donner les meilleurs de nous-mêmes pour espérer les médailles et faire les bons chronos. Du coup, les chronos, ça compte à la natation, donc on espère avoir des bons timings pour satisfaire tout le monde, la fédération et notre président, les général Oléko. Que dirais-je encore? Bonne chance à Yves Moutou. La natation, c'est un sport individuel. Mais je suis spécialiste en brasse, 50 mètres. Et maintenant, je vais me lancer 100 mètres brasse.